C'est bon, ça a chargé la partie. Donc moi je suis en mode fly, c'est plus simple pour tout vous montrer rapidement. Donc ce que nous avons fait sur le navigateur, ça donne ça en jeu. Donc là on a encore du boulot. Donc le hub est ici. Vous reliez votre électricité au hub. Et pareil pour les trains, à votre réseau ferré. Ça je vous laisse vous débrouiller, faites comme vous voulez. De cette manière vous pourrez livrer tout le pétrole possible dans cette gare. Ça c'est la première étape. Ensuite, donc comme l'indique le Google Doc, on va relier, enfin alimenter même le premier bloc en pétrole et en électricité. Je vais aussi, donc on en a mis en tout 3, donc je vais relier les 3, ça sera fait, et je vais vous expliquer après comment ça marche. Je vais les colorier, ça sera plus sympa pour comprendre. C'est tout con, hein. Tout se passe en interne. Oula. Bon, j'en fous, je vais effacer la partie après de toute façon. Donc le premier, on crée du plastique. Donc on va mettre tout ça en bleu, tiens, hop. Voilà. Après on a du turbocarburant, et ensuite on a quoi? Du carburant tout court, je crois, oui. On va le mettre en orange. Voilà. Donc là, ces deux tuyaux-là alimentent celui-ci. Les deux rouges, alors, du coup, il faut qu'on relie aussi là. Vous devez relier entre chacun de vos blocs, en enlevant deux à chaque fois. Et le code couleur vous permettra de comprendre très facilement ce que je suis en train de faire. Pareil pour l'électricité. Hop, et hop, et un dernier coup ici. Voilà. Donc, vous comprenez facilement que les deux bleus alimentent celui-ci et disparaissent dans cette usine. Les deux rouges traversent et vont en position 1. Puis alimente celui-ci et donc disparaissent dans ce bloc, tandis que les oranges rentrent dans celui-ci, le traverse, vont en position 2, le traverse, vont en position 1. Voilà. Donc le système de bloc est fait de cette manière-là. Donc on a relié ce qu'il fallait ici. Maintenant, comment ça marche? Donc cette usine, je vous la laisserai la visiter si vous voulez. Va consommer du coup l'eau et le pétrole, faire toute sa petite bouillabaisse dans l'usine et transformer ça en plastique qui va arriver dans le train. Le train, vous le reliez à votre gare, enfin à votre système ferré, pardon, et voilà, c'est fini. On met aussi un coup d'élec, pardon, pour les gares, tac. On les relie entre elles. Et voilà. Autant qu'il y en a, vous les reliez. Et si jamais vous avez du coup des blocs packager, on les connecte aussi. Tout simplement. Voilà. Ça, tout est alimenté. Alors. Donc ça, on a vu, ça nous crée le plastique. On peut les exporter soit par drone. Donc ça, c'est à vous de gérer votre organisation. Si vous n'utilisez pas les drones, vous désactivez les drones ici, tout simplement. On les coupe, hop, plus de carburant, ils sont plus alimentés, il n'y en a plus. Et pareil, si c'est les trains, bah vous débrouillez, hein, vous déconnectez la gare, faites ce que vous voulez. Ici, pour le turbocarburant, donc il est créé dans l'usine, et on l'a ici, directement dans le train. Vous pouvez l'exporter par tuyau, alors je pense que j'ai rien fait, mais vous pourrez peut-être le faire vous-même. Vous faites des tuyaux qui vont jusqu'ici, qui rentrent là-dedans. Donc idéalement le premier. Hein. Ça passe là-dedans, hop, ça vient là. Ça, vous le reliez ici. Tout ça, ensuite, ça vient dans la gare. Et donc cette gare, enfin, ce fret-là, peut, du coup, il fait soit office de réservoir,
soit, enfin, et ou office de container d'un train qui livrerait d'ailleurs le carburant. Voilà. Si vous voulez pas le passer par tuyau par ici, vous le faire venir d'ailleurs, ça marche aussi. Et donc, on reçoit le carburant ici, tac, il ressort là, et il n'y a plus qu'à relier. Tac. Alors moi je vais faire moche, mais vous pouvez faire un truc mieux. Hein. On relie comme ça. Et on relie ici, comme ça. Et du coup, pareil pour l'électricité. Tac, tac. Donc chaque bloc, que ce soit le turbocarburant, donc le très grand, ou le plus petit en carburant, ne consomme qu'un seul tuyau. Et le principe est le même que pour les usines, c'est-à-dire que sur le suivant, celui-ci, c'est celui-ci. Et si j'en mets un autre, par exemple, rouge, qui serait le troisième, bon, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris l'idée, hein. Tac, c'est celui-là. Et ainsi de suite. Quand vous arrivez au coude, vous reliez normalement. S'il y en a 3 qui arrivent, vous en rentrez 3 et vous reprenez par ici, c'est pareil. Touk touk. Oula, ça a planté. Merde. Ok.